Bonjour, bonjour. Ça y est, me voilà en direct. J'avais vraiment trop hâte de faire cette petite vidéo. Vous vous demandez sûrement où est-ce que je suis. Là, je suis un peu à l'ombre, mais il fait tellement beau aujourd'hui. J'espère que vous avez bien profité du beau temps. Alors oui, vous en doutiez sûrement. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai mis mes écouteurs parce que, évidemment, je suis en ville. Hein? Même si vous voyez des arbres autour de moi, je vais faire durer le suspense un petit peu. Il y a peut-être qui commencent déjà à reconnaître les lieux. Pour le nouveau studio de yoga, j'ai vraiment cherché longtemps parce que depuis janvier, comme vous le savez, je suis à nouveau studio nomade. Je dis à nouveau parce que j'ai fait ça les 4-5 premières années que j'enseignais. Et puis, je cherchais vraiment un lieu qui m'inspirait, qui avait beaucoup d'espace, proche de la nature, mais plus central, un lieu où j'allais être aussi en milieu urbain, proche de toutes les villes avoisinantes de la MRC. Donc, depuis janvier que j'en ai visité beaucoup, le marché de l'immobilier, il a vraiment explosé aussi. Donc, ça n'a pas vraiment été évident. Puis j'ai eu un coup de cœur pour un endroit en particulier, puis j'ai vraiment beaucoup réfléchi, puis discuté avec des collègues, des amis. Il y a très peu de gens qui sont au courant d'ailleurs de l'emplacement exact, là. Puis en fait, pour moi, ça devenait comme évident que c'est là que je voulais être. C'est comme au centre de la ville, au centre d'une belle achalandage, de belles activités. Ici à Saint-Eustache. Alors oui, c'est à Saint-Eustache, et c'est plus exactement dans le vieux Saint-Eustache, parce que j'aime être proche de l'eau, vous le savez. Fait que là, il y a la rivière juste en arrière, la rivière du Chêne, il y a la rivière des Mêlées, là, l'autre bout là-bas, le manoir, le moulin. Il y a de la vie, il y a de l'action l'été, beaucoup de commerce. Puis je suis contente depuis que je démarche ici. Il y a 3, 4, 5 commerces nouveaux aussi qui vont ouvrir. Donc une vie de village, une vie de quartier que je recherchais. J'ai vu des endroits sur le bord de l'autoroute, ça me parlait moins, là, puis c'était pas moi, puis c'était pas des gros buildings qui m'intéressaient. Je voulais vraiment quelque chose qui avait un charme, un cachet, puis à dimension justement humaine, là, un studio plus petit qui va vraiment nous permettre de vivre beaucoup de belles choses, d'ateliers, de yoga, méditation, pour mes formations, puis bien sûr les massages, puis concerts, etc. J'ai vraiment bien, bien hâte de reprendre. Donc, sans plus tarder, ta-da-da, roulement de tambour, je vais retourner la caméra pour que vous puissiez voir. Alors voilà l'endroit. Alors ce qui est merveilleux, c'est qu'il va y avoir énormément de fenestrations. C'est au 133 de la rue. Essayez de ne pas tomber dans les tout petits bancs de neige de la rue Saint-Eustache. Donc vous voyez toutes ces fenêtres ici, là, sur le pignon à droite, c'est le centre de yoga, le futur centre de yoga. Et ceux qui le savent, le marché de Saint-Eustache, hein, le marché du vieux Saint-Eustache donne justement là. Là, j'étais justement assise à la petite place que j'adore avec la fontaine, le piano public qui s'en vient dès que les beaux jours seront là. Puis, vraiment, vraiment, c'est excitant parce que j'aime vraiment le quartier qui a beaucoup, qui s'est beaucoup revitalisé. Vous vous souvenez que la ville de Saint-Eustache a refait des aménagements, les trottoirs sont très très larges, il y a des boîtes à fleurs, des arbres et tout ça aussi. Fait que c'est vraiment la campagne, un petit village au cœur du vieux Saint-Eustache. Donc là, j'ai pas les clés encore parce que je viens juste de signer le bail, ça y est, c'est officiel. Mais en fait, j'ai réussi, ce qui est merveilleux, à négocier parce que ça faisait vraiment mon affaire par rapport à dépêcher de traverser, par rapport à mes contrats, mes engagements que j'avais pris là, ce printemps avec différents lieux qui nous accueillent. Donc, je vais entrer ici le 1er août seulement, donc pour la rentrée de septembre. Il y a des stationnements partout ici en arrière, en avant. Donc, vraiment, on va vraiment être super bien, bien installé. Vous voyez la grandeur. J'ai plein, plein de photos là, que je vais vous montrer aussi. Donc, je vais retourner ça à nouveau. Voilà. Donc, ben, je suis vraiment bien contente.
J'ai vraiment hâte, c'est énervant, ça fait des jours et des jours et des semaines et des mois là, que c'est assez excitant tout ça, mais ça y est, c'est fait, je peux vous l'annoncer en grand, puis j'ai bien hâte de vous présenter l'équipe, parce que oui, nous serons une belle équipe à travailler ensemble ici pour répandre le yoga, la méditation et le bien-être. Alors merci beaucoup tout le monde et à très bientôt. Namasté!